Bien, Madame le greffier, pouvez-vous indiquer l'affaire qui est inscrite à l'ordre de notre rôle de notre audience de ce jour, s'il vous plaît ? Oui, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Juge. Affaire IT 8623 et IT 8623/1. Le procureur contre Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic. Merci. Merci. Je voudrais que s'identifient les conseils des parties. Je me tourne vers le bureau du procureur. Monsieur Carmona, hors micro. Bonjour Monsieur le Président, Messieurs les juges, je m'appelle Anthony Carmona. Et je représente ici le bureau du procureur. Je suis accompagnée aujourd'hui de Madame Norul Rachid, de Madame Hélène Brady et de Madame Susan Lamb. Monsieur Wolfgang Sakulin est notre assistant dans cette affaire. Merci. Merci. Je voudrais à présent que les conseils des parties s'identifient, en commençant peut-être par les conseils de Monsieur Kunarac. Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les juges. Je m'appelle Slavisha Prodanovic et je suis accompagnée de mon co-conseil Dejan Savatic. Nous représentons les intérêts de Monsieur Kunarac. Merci. Les conseils de Monsieur Radomir Kovac, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les juges. Je m'appelle Momir Kolesar et je représente les intérêts de Monsieur Kovac. Merci. Merci. Et enfin, je voudrais que s'identifient les conseils de M. Zoran Vukovic. Monsieur le Président, Messieurs les juges, je m'appelle Goran Jovanovic et je suis accompagné de Mme Yelena Lopicic. Nous défendons M. Zoran Vukovic. Bien, merci. Asseyez-vous. La présente session va être consacrée à la lecture sous forme de résumé de l'arrêt de la chambre d'appel dans l'affaire qui a été identifiée par Madame le greffier. La chambre d'appel du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie tient son audience publique ce jour pour le prononcé de son arrêt concernant l'appel interjeté dans le cadre de l'affaire Le procureur contre Kunarac, Kovac et Vukovic. L'arrêt précise la définition de plusieurs crimes relevant de notre compétence. Et en particulier, la Chambre d'appel a eu l'occasion de clarifier le statut du viol en tant que crime sanctionné en droit international coutumier. J'appelle votre attention que le résumé qui suit n'a évidemment pas de valeur juridique. Seul l'arrêt qui en est l'objet, signé par les 5 juges du banc, a une telle valeur. En vertu de l'article 15 bis du règlement de procédure et de preuve, nous entendrons aujourd'hui cette affaire en l'absence du juge Mehmet Güney, retenu par ailleurs. Enfin, je vous signale, ce n'est pas chose courante dans ce tribunal, l'arrêt, dans son intégralité, vous sera servi à l'issue de cette audience, à la fois en version française et en version anglaise. Je procéderai d'abord, au nom de mes collègues, au bref rappel des faits et de la décision de première instance. D'avril 1992, jusqu'en février 1993 au moins, la région de Fotcha était le théâtre d'un conflit armé. Les crimes dont Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic ont été reconnus coupables par la chambre de première instance étaient étroitement liés à ce conflit armé. Des civils non serbes ont été tués, violés, autrement maltraités, en conséquence directe du conflit armé. Kunarac, Kovac et Vukovic ont aussi participé à cette campagne qui visait entre autres objectifs à débarrasser la région de Fotcha de ses habitants non serbes. Une des cibles de la campagne étaient les civils musulmans, en particulier les femmes. Elles étaient détenues dans divers centres où régnaient des conditions d'hygiène intolérables
et où elles ont subi de multiples sévices, dont des viols répétés. Le comportement criminel des trois appelants s'inscrivait dans le cadre de cette attaque systématique contre les civils non serbes. Tous trois savaient que la région de Foča était le théâtre d'un conflit armé. Ils savaient également qu'une attaque contre la population civile non serbe avait été lancée et que leurs actes criminels s'inscrivaient dans le cadre de cette attaque ou en faisaient partie. Le 22 février 2001, la Chambre de première instance a déclaré Dragoljub Kunarac coupable de crimes contre l'humanité sous les chefs de réduction en esclavage, de viol et de torture, ainsi que de violation des lois et coutumes de la guerre sous les chefs de viol et de torture. Par la même décision, Radomir Kovac a été déclaré coupable de crimes contre l'humanité sous les chefs de réduction en esclavage et de viol, ainsi que de violation des lois et coutumes de la guerre sous le chef d'atteinte à la dignité des personnes. Zoran Vukovic, quant à lui, a été déclaré coupable de crimes contre l'humanité sous les chefs de viol et de torture, ainsi que de violation des lois et coutumes de la guerre sous les chefs de viol et de torture. Les trois accusés ont été condamnés à des peines uniques, respectivement de 28, 20 et 12 années d'emprisonnement. Radomir Kovac et Zoran Vukovic ont déposé le 6 mars 2001 un acte d'appel contre le jugement et la sentence de la Chambre de première instance. Dragoljub Kunarac en a fait de même le 7 mars 2001. Les appelants ont présenté plusieurs moyens d'appel. La Chambre d'appel a révélé que cinq d'entre eux de ces moyens étaient communs à au moins deux des trois appelants et les a traités au chapitre 3 à 7 de l'arrêt. Chacun des moyens soulevés par un seul des appelants fait l'objet d'un chapitre distinct. Au nom de mes collègues, j'analyserai dans ce résumé d'abord les moyens d'appel communs relatifs à l'article 3 du statut, violation des lois ou coutumes de la guerre. Ils ont été invoqués par les accusés, respectivement sous les angles de l'existence d'un conflit armé, du lien du comportement criminel avec le dit conflit armé, et ensuite de la portée matérielle de l'article 3 du statut et de l'article 3 commun aux conventions de Genève de 1949. J'espère que je ne vais pas trop vite pour les interprètes et les traducteurs. D'accord ? Alors d'abord, s'agissant de l'existence d'un conflit armé et du lien du comportement criminel avec celui-ci. Selon les appelants, la Chambre de première instance a eu tort de conclure qu'il existait un conflit armé dans deux municipalités voisines de celle de Foča, à savoir les municipalités de Gaško et de Kalinovic. Étant donné que ces municipalités sont voisines de celle de Foča et contiguës à cette dernière, et puisque les appelants ont admis qu'il y avait un conflit armé dans la région de Foča, la Chambre d'appel, rappelant que l'état de conflit armé ne se limite pas au seul secteur où se déroulent effectivement des combats, mais existe sur tout le territoire contrôlé par des parties belligérantes, considère que le procureur n'était pas tenu de prouver l'existence d'un conflit armé sur chaque centimètre carré de la région en question. La Chambre de première instance disposait d'éléments de preuve en nombre suffisant pour conclure valablement à l'existence d'un conflit armé sur le territoire des trois municipalités en question. Ces moyens conduisait ensuite à se demander si la Chambre de première instance a commis une erreur en formulant le critère applicable pour déterminer si le lien exigé entre le conflit armé et le comportement criminel existait bel et bien. Les appelants ont tous trois soutenu que le critère utilisé par la Chambre de première instance était insuffisant. Selon eux, l'existence d'un lien aurait dû être établie pour chaque crime et il aurait fallu se demander si les actes en question peuvent être perpétrés même quand il n'y a pas de conflit armé. La Chambre d'appel souligne que le lien exigé n'est pourtant pas un lien de cause à effet entre le conflit armé et la perpétration du crime. Il suffit, dit la Chambre d'appel, que l'existence du conflit armé ait considérablement pesé sur la capacité de l'auteur du crime à le commettre, sur sa décision de le commettre, sur la manière dont il l'a commis ou sur le but dans lequel il l'a commis. Par conséquent, la Chambre de première instance a valablement pu tenir compte, entre autres, des indices suivants. Les auteurs des crimes sont des combattants.
Les victimes ne sont pas des combattantes. Les victimes appartiennent au camp adverse. Et les actes pourraient être considérés comme servant l'objectif ultime d'une campagne militaire. Or, en l'espèce, il a été établi que les auteurs des crimes ont agi dans le cadre ou sous le couvert d'un conflit armé. Cela suffit pour conclure que leurs actes étaient étroitement liés au dit conflit, comme l'exige l'article 3 du statut. La Chambre d'appel ne peut que considérer que cette conclusion de la Chambre de première instance sur ce point est non contestable. S'agissant de la portée matérielle de l'article 3 du statut, de l'article 3 commun aux conventions de Genève de 1949, conformément à la jurisprudence du tribunal, la Chambre d'appel rejette les affirmations non fondées des appelants selon lesquelles l'article 3 du statut ne traiterait que de la protection des biens et de l'emploi légitime des armes autorisées et partant ne couvrirait pas les violations graves à l'article 3 commun aux conventions de Genève de 1949 ou ne protégerait que les droits des parties belligérantes par opposition aux droits des personnes physiques. En conséquence, ce moyen est rejeté. Toute une série de moyens d'appel communs relatifs à l'article 5 du statut ont été invoqués par les appelants qui ont contesté l'interprétation par la Chambre de première instance des conditions générales énoncées à cet article. Et notamment, s'agissant du lien avec le conflit armé, s'agissant de l'existence d'une attaque, s'agissant de la condition selon laquelle l'attaque doit être dirigée contre une population civile, s'agissant du caractère généralisé ou systématique, ou s'agissant de la mens rea ou du lien avec l'attaque. S'agissant d'abord du lien avec le conflit armé au sens de l'article 5 du statut. Cette exigence énoncée à l'article 5 n'est qu'une condition préalable à l'exercice de la compétence du tribunal. Elle est satisfaite par la seule preuve de l'existence d'un conflit armé et ne nécessite pas, contrairement aux arguments des appelants, de lien matériel entre les actes des accusés et le conflit armé. La Chambre d'appel, faisant sienne la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle il y avait conflit armé au lieu et aux dates visées par les actes d'accusation, rejette les moyens d'appel. S'agissant de l'existence d'une attaque, les appelants prétendent que la Chambre de première instance a faussement constaté l'existence d'une attaque contre la population civile non serbe de Foča. La Chambre d'appel est cependant convaincue que la Chambre de première instance a correctement défini et interprété le concept d'attaque, qu'elle a analysé comme étant un type de comportement entraînant des actes de violence. Au sens de la définition du crime contre l'humanité, le terme « attaque » ne se limite pas à la conduite des hostilités, mais comprend notamment des situations où sont maltraitées des personnes ne prenant aucune part active aux hostilités, où est prise pour cible une entité non combattante, une population civile, quelle qu'elle soit. Au regard du caractère non contestable des conclusions de la Chambre de première instance concernant l'attaque, la Chambre d'appel rejette ses moyens d'appel. S'agissant de la condition selon laquelle l'attaque doit être dirigée contre une population civile, quelle qu'elle soit, les appelants font valoir que ce qu'auraient subi les citoyens non serbes de la municipalité de Foča n'était pas la conséquence regrettable d'une attaque dirigée contre la population civile en tant que telle, mais bien le résultat malencontreux d'une opération militaire légitime. En d'autres termes, il s'agirait de dommages collatéraux. Cependant, certains éléments ont pu raisonnablement convaincre les juges de la Chambre de première instance que l'attaque était effectivement dirigée contre une population civile plutôt que contre un nombre limité d'individus choisis au hasard, notamment les moyens et méthodes utilisés au cours de l'attaque, le statut des victimes, leur nombre, le caractère discriminatoire de l'attaque, la nature des crimes commis pendant celle-ci. La Chambre d'appel est convaincue que la Chambre de première instance a correctement conclu à l'existence d'une telle attaque. En outre, en identifiant la population attaquée, à savoir la population non serbe de Foča, elle a ainsi pu déceler une tentative de déguiser des agissements criminels en entreprise militaire. Ces moyens d'appel sont donc rejetés. S'agissant du caractère généralisé ou systématique de l'attaque, selon les appelants, même si elles étaient acceptées, les preuves des crimes commis contre des civils non serbes
ne suffirait pas à conclure au caractère généralisé ou systématique de l'attaque, et ce en raison de leur caractère limité, tant en importance qu'en nombre. Les appelants ajoutent qu'en droit, l'attaque doit être généralisée et systématique. Mais la Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance a correctement défini l'adjectif généralisé comme renvoyant, entre autres, au nombre de victimes de l'attaque et à sa menée sur une grande échelle. Puis, elle a analysé l'adjectif systématique comme traduisant le caractère organisé ou répété des actes de violence. Pour déterminer ce qui constitue une attaque généralisée ou systématique, une chambre de première instance s'appuie notamment sur les moyens, méthodes et ressources employées par les attaquants, les conséquences de l'attaque sur la population visée, le nombre des victimes, le caractère discriminatoire des actes, l'éventuelle participation de responsables ou d'autorités ou tout autre scénario permettant d'identifier les crimes. De plus, la Chambre de première instance a rappelé à juste titre qu'en droit, l'attaque devait être soit généralisée, soit systématique, précisant qu'il s'agit d'une alternative et non d'une double condition. En l'espèce, elle a correctement conclu que l'attaque contre la population non serbe de Foča était systématique. La Chambre d'appel rejette en conséquence ses moyens d'appel. S'agissant enfin du lien avec l'attaque et de la mens rea, de l'intention requise pour les crimes contre l'humanité, les appelants ont allégué que la Chambre de première instance a conclu à tort à l'existence d'un lien entre leurs actes et l'attaque, puisqu'ils n'étaient même pas au courant de celle-ci, que leurs actes revêtaient un caractère purement militaire et qu'ils n'ont nullement eu la volonté de participer à une éventuelle attaque contre une population civile. Comme l'a correctement relevé la Chambre de première instance, le lien entre les actes des accusés et l'attaque consiste en deux éléments. La commission d'un acte faisant objectivement partie de l'attaque, ainsi que la connaissance par l'accusé de l'attaque menée contre la population civile et du fait que son acte s'inscrit dans le cadre de cette attaque. La Chambre d'appel est convaincue que la Chambre de première instance a défini et appliqué le critère adéquat s'agissant du lien entre les actes des accusés et l'attaque. Ces moyens d'appel sont rejetés. La Chambre d'appel s'est penchée ensuite sur les moyens d'appel relatifs à la définition des infractions telle qu'elle avait été donnée par la Chambre de première instance. La Chambre d'appel a fait cette analyse pour le crime de réduction en esclavage, pour le crime de viol, pour le crime de torture et pour le crime d'atteinte à la dignité des personnes, ce dernier crime concernant plus spécialement l'accusé Kovač. S'agissant de la définition du crime en réduction en esclavage, les appelants propose de substituer les éléments suivants à ceux retenus par la Chambre de première instance pour le crime de réduction en esclavage. Les appelants. L'accusé doit avoir considéré la victime comme son propre bien. Il doit avoir eu une absence de consentement manifeste et constant de la victime. La victime doit avoir été détenue pendant une durée indéfinie ou du moins prolongée. Et l'accusé doit avoir eu l'intention de détenir la victime sous contrôle permanent pendant une période prolongée dans le but de l'utiliser sexuellement. Toutefois, la Chambre d'appel ne saurait accepter de considérer le défaut de consentement, s'agissant de ce crime, comme un élément constitutif du crime. Elle se range à la conclusion de la Chambre de première instance, attribuant à la durée de la détention une importance relative et n'y voyant pas un élément constitutif du crime. Elle souscrit à la conclusion de la Chambre de première instance, selon laquelle l'élément moral requis pour ce crime réside dans l'intention d'exercer les attributs du droit de propriété sur les victimes sans qu'il soit nécessaire de prouver que l'accusé avait l'intention de détenir les victimes sous contrôle permanent pendant une période prolongée dans le but de les utiliser sexuellement. En conséquence, la Chambre d'appel estime que la définition donnée au crime de réduction en esclavage par la Chambre de première instance n'est pas trop large et reflète bien l'état du droit international coutumier à l'époque des actes incriminés. Les moyens d'appel relatifs à la définition du crime de réduction en esclavage sont donc rejetés. S'agissant de la définition du crime de viol, selon les appelants, le crime de viol exige de démontrer, outre la pénétration, l'existence de deux autres éléments, l'emploi de la force
ou la menace de son emploi, d'une part, et une résistance continue ou réelle de la victime. La chambre d'appel, là encore, ne peut que souscrire à la définition du viol donnée par la chambre de première instance, à la suite de l'analyse approfondie qu'a faite cette chambre des systèmes juridiques du droit romano-germanique et de la common law, l'élément central de cette définition tenant à l'absence de consentement de la part de la victime. En outre, la chambre d'appel souligne qu'il convient de rejeter la condition de résistance avancée par les appelants, justifiée ni en droit ni en fait, et que l'emploi de la force n'est pas en soi un élément constitutif du viol. Les circonstances coercitives de l'espèce ont exclu toute possibilité de consentement des victimes aux actes sexuels. Les moyens d'appel relatifs à la définition du crime de viol sont donc rejetés. S'agissant de la définition du crime de torture, les appelants concernés n'ont pas contesté la définition de la torture, mais ont fait valoir que la présence de ces éléments constitutifs n'a pas été prouvée de façon satisfaisante dans la présente affaire. La chambre d'appel souhaite préciser que certains actes établissent per se la souffrance de ceux qui les subissent. Le viol est évidemment l'un de ceux-ci. De plus, la motivation sexuelle admise par les accusés n'exclut certainement pas ni leur intention de commettre un acte qui a eu pour conséquence de causer de grandes souffrances, ni la poursuite d'un but discriminatoire. Les moyens relatifs à la définition du crime de torture sont rejetés. Enfin, s'agissant de la définition du crime d'atteinte à la dignité des personnes, selon l'appelant Kovac, la chambre de première instance n'aurait pas défini quels actes sont susceptibles de constituer des atteintes à la dignité des personnes, ni établi son intention spécifique d'humilier ou de dégrader la victime. Toutefois, la chambre d'appel considère que la chambre de première instance a défini avec justesse le seuil objectif à partir duquel un acte constitue une atteinte à la dignité des personnes, c'est-à-dire, je cite la chambre, « tout acte ou omission dont on reconnaîtrait généralement qu'ils causent une humiliation, une dégradation grave ou qu'ils attentent autrement gravement à la dignité des personnes ». En outre, la chambre de première instance a estimé avec raison qu'il suffit que l'appelant ait su, comme toute personne censée l'aurait perçu, que ces actes pourraient avoir un effet gravement humiliant, dégradant ou autrement gravement attentatoire à la dignité humaine. Les moyens relatifs à la définition du crime d'atteinte à la dignité des personnes sont rejetés. La Chambre, à présent, s'est consacrée au cumul des qualifications et de déclarations de culpabilité qui était un des moyens invoqués par les accusés. Le quatrième développement de ce résumé traitera de cette question. La Chambre d'appel rejette d'abord l'argument du cumul abusif de qualifications et juge même inutile de reprendre dans son arrêt une jurisprudence constante sur ce point. Quant au cumul des déclarations de culpabilité, la Chambre d'appel a appliqué la méthode énoncée dans l'arrêt de la Litch ou Celebici. Elle considère, comme la Chambre de première instance, que les déclarations de culpabilité, à raison des mêmes faits, en vertu des articles 5, crimes contre l'humanité, et 3, violations des lois aux coutumes de la guerre du statut, sont autorisées et rejettent l'appel sur ce point. S'agissant plus spécialement des arguments des appelants relatifs au cumul des déclarations de culpabilité, en vertu de l'article 5, intra-article, vu les circonstances de l'espèce, la Chambre d'appel conclut que tous les éléments constitutifs du viol et de la torture existent. Il est également possible de cumuler, en vertu d'un autre article, l'article 3 du statut, une déclaration de culpabilité pour viol et une déclaration de culpabilité pour torture à raison du même comportement. Chacun des deux crimes contient en effet un élément matériellement distinct des autres. En l'espèce, pour les cumuls de déclarations de culpabilité, tant en vertu de l'article 5 qu'en vertu de l'article 3, les violences et viols constituent des actes de torture. La Chambre d'appel rejette donc l'appel sur ce point. Enfin, le moyen d'appel séparé de l'appelant Kovac. L'appelant Kovac soutient qu'il a été à tort déclaré coupable à la fois de viol et d'atteinte à la dignité des personnes sur la base de l'article 3 du statut. La Chambre d'appel rejette cet argument au motif que la Chambre de première instance n'a pas fondé les déclarations de culpabilité qu'elle a prononcées sur le même comportement concernant cet accusé. Tous les autres appels tirés du cumul de déclarations de culpabilité sont rejetés. La Chambre s'est penchée aussi sur les moyens soulevés à titre individuel. D'abord ceux soulevés par l'accusé Kunaratch.
s'agissant pour tous ces moyens d'erreurs de fait alléguées concernant le jugement de première instance. D'abord, concernant les erreurs de fait alléguées par Kunaratch, la Chambre de paix a rejeté tous les moyens d'appel présentés pour Kunaratch contre les constatations factuelles de la Chambre de première instance relatives à l'alibi et aux chefs 1 à 4, 9 et 10, 11 et 12, puis 18 à 20. La plan n'a pas démontré que la Chambre de première instance aurait commis quelque erreur de fait ayant entraîné un déni de justice. S'agissant des erreurs de fait alléguées par Kovacs, la Chambre de paix les a rejetées également, ces constructions factuelles de Kovacs, estimant que, notamment relatives à l'identification, aux conditions qui régnaient dans son appartement et aux infractions commises sur les personnes de FWS 75 et de AB, de FWS 87 et de AS, et aux atteintes à la dignité des personnes, à la vente de FWS 87 et de AS, et aux déclarations de culpabilité pour viol. La Chambre a estimé que l'appelant n'avait pas démontré que la Chambre de première instance aurait commis quelque erreur de fait ayant entraîné un déni de justice. Enfin, s'agissant des erreurs de fait alléguées par Vukovic, la Chambre d'appel rejette l'appel interjeté par l'appelant Vukovic contre les constatations de la Chambre de première instance relatives aux omissions prétendument relevées dans l'acte d'accusation, au viol de FWS 50, à son identification et à l'appréciation des éléments de preuve à décharge. L'appelant n'a pas démontré que la Chambre de première instance aurait commis quelque erreur de fait ayant entraîné un déni de justice. Des moyens d'appel étaient invoqués relatifs à la peine. D'abord, s'agissant de la peine unique, les accusés ont soulevé des moyens affirmant en substance que le règlement de preuve, n'autorise pas le prononcé d'une peine unique et que chaque crime dont un accusé a été reconnu coupable devrait faire l'objet d'une condamnation distincte. La Chambre d'appel considère que ni l'article 87C ni l'article 101C de la 18e édition du règlement n'interdisait à une chambre de première instance de fixer une peine unique. Et elle rappelle, la Chambre d'appel, que la peine unique n'était pas inconnue dans la pratique du tribunal. Ces moyens sont rejetés. Toujours relatif à la peine, s'agissant du recours à la grille des peines appliquée par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie, les appelants font valoir que la Chambre de première instance aurait dû se conformer à la grille des peines pratiquée en ex-Yougoslavie, notamment au sens où la peine dont il est fait appel ne devrait pas dépasser le maximum appliqué par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie. Selon la Chambre d'appel, s'il est vrai qu'une chambre de première instance doit prendre en compte la grille des peines appliquées en ex-Yougoslavie, celle-ci, la Chambre, n'est pas liée par cette grille. La Chambre d'appel confirme les conclusions du jugement, précisant qu'il est de jurisprudence constante au tribunal que la pratique des tribunaux de l'ex-Yougoslavie ne lie pas les chambres de première instance dans leur détermination de la peine. La Chambre de première instance s'est bel et bien penchée sur la grille des peines appliquées par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie en entendant un témoin expert de la défense à ce sujet et s'est donc conformée aux dispositions des articles 24.1 du statut et 101B, 3 petits i du règlement. Elle n'a pas abusé de son pouvoir discrétionnaire pour fixer la peine ni commis d'erreur sur ce point. Ses moyens d'appel sont rejetés. Toujours dans les moyens sur la peine, s'agissant des circonstances aggravante. Les appelants ont fait valoir que leur crime n'aurait pas dû entraîner les peines prononcées parce que certaines circonstances aggravantes qui s'y rapportent n'ont pas été appréciées convenablement. Examinons-les à présent. D'abord, la vulnérabilité de certaines victimes. L'article 24.2 du statut dispose qu'en imposant toute peine, les chambres de première instance doivent tenir compte de la gravité de l'infraction. Que la vulnérabilité de la victime soit ou non un élément constitutif du crime de viol, ne change rien au fait qu'elle marque, cette vulnérabilité marque la gravité du crime, et qu'au terme du statut, cette gravité peut être dûment appréciée lors de la détermination de la peine. La Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur à cet égard, et ce moyen d'appel est donc rejeté. Autre circonstance aggravante, invoquée par l'accusé Kunaratch, les contradictions alléguées dans le jugement. L'appelant Kunaratch avance
que la Chambre de première instance a formulé des conclusions contradictoires sur son rôle, le rôle de Kunarac, dans le conflit armé en ex-Yougoslavie, et ceci au paragraphe 858 et 863 à 863 du jugement. Les deux paragraphes en question disent clairement que pour ce qui est de ces crimes, il n'était pas considéré comme un supérieur hiérarchique. Dans ces conditions, ce moyen d'appel est sans fondement, la Chambre le rejette. Toujours dans les circonstances aggravantes, troisième question, la question de l'âge des victimes, toutes âgées de moins de 19 ans, à l'exception d'une seule. La Chambre de première instance a tenu compte, à juste titre, de l'audition du témoin expert de la défense sur les peines encourues pour le crime de viol en ex-Yougoslavie, qui a confirmé qu'en ex-Yougoslavie, des circonstances aggravantes étaient attachées au viol de mineurs de moins de 18 ans. Aux yeux de la Chambre d'appel, ce témoignage de l'expert n'a pas contredit la pratique en cours dans l'ex-République yougoslave de Bosnie-Herzégovine. En vertu de son pouvoir discrétionnaire inhérent, la Chambre de première instance était en effet en droit de conclure que 19 ans est un âge suffisamment proche de celui auquel les personnes sont protégées en raison de leur vulnérabilité particulière pour que l'on puisse considérer cet âge comme une circonstance aggravante. Quant au moyen de l'appelant Vikovic, alléguant d'une erreur d'estimation de l'âge de la victime FWS50, la Chambre d'appel répond que le fait que deux âges légèrement différents aient été attribués à la victime dans le jugement, respectivement 16 ans environ et 15 ans et demi, ne change rien au fait que celle-ci était jeune et que ce fait pouvait constituer une circonstance aggravante. La Chambre d'appel considère donc que la Chambre de première instance n'a pas fait erreur en prenant en compte le jeune âge des victimes tel que spécifié dans le jugement. Ces moyens d'appel sont donc rejetés. Quatrième circonstance aggravante, celle de réduction en esclavage sur une longue période, moyen invoqué par Kunarac, ou le caractère prolongé des mauvais traitements infligés à certaines victimes, moyen soulevé par Kovac. La Chambre d'appel partage l'avis de la Chambre de première instance, selon lequel la durée peut être un élément à prendre en compte pour déterminer s'il y a eu réduction en esclavage, mais que ce n'est pas l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Plus la période de réduction en esclavage est longue, plus l'infraction est grave. La Chambre d'appel souscrit à l'opinion de la Chambre de première instance, selon laquelle la durée des crimes de réduction en esclavage, celle de viol et d'atteinte à la dignité des personnes, entre un mois et quatre mois environ, était suffisamment longue pour entraîner une aggravation de la peine. En conséquence, les moyens d'appel sont rejetés. Cinquième circonstance aggravante qui aurait été invoquée à la base des motifs d'appel. La question des motifs discriminatoires, éléments constitutifs des infractions réprimées par l'article 5 du statut ou circonstances aggravantes. L'appelant Kunarac a allégué que la Chambre de première instance a fait erreur en retenant l'intention discriminatoire comme une circonstance aggravante parce qu'il s'agirait d'un élément constitutif des crimes visés par l'article 5 du statut. La Chambre d'appel renvoie à cet égard à l'arrêt Tadic qui déclare que l'intention discriminatoire ne constitue un élément constitutif indispensable que pour les infractions pour lesquelles elle est expressément stipulée, à savoir les divers types de persécutions visées, eux, par l'article 5H au statut. Elle n'est pas requise pour les autres infractions mentionnées à l'article 5 du statut. Ce moyen d'appel est donc rejeté. Enfin, dernier point d'analyse de la Chambre d'appel concernant tous les moyens relatifs aux circonstances aggravantes, la question de la fonction de rétribution de la peine invoquée par Kovac. Dans la jurisprudence du tribunal comme dans celle du tribunal pour le Rwanda, la fonction de rétribution de la peine a toujours été prise en compte, le châtiment étant entendu comme la punition du criminel pour ses agissements délictueux. L'appelant n'a pas étayé son affirmation selon laquelle une tendance du droit international irait à l'encontre de l'approche du tribunal et du TPIR. Ce moyen d'appel est donc rejeté. La Chambre, à la suite des requêtes des appelants, a examiné toute la question des circonstances atténuantes. Elle l'a fait en regardant les moyens invoqués par chacun des accusés
Et d'abord Kunaratch. Laplan affirme que le fait que ces actes n'aient pas entraîné de conséquences graves pour aucune des victimes devrait être considéré comme une circonstance atténuante, ainsi que le fait qu'il soit père de 3 enfants en bas âge. La gravité intrinsèque de ces crimes, élément fondamental dans la détermination de la peine, appelle une sanction sévère qui ne sera pas atténuée, motif pris de ce que ces crimes n'auraient pas entraîné de conséquences graves pour les victimes. Ce moyen d'appel est donc rejeté. La Chambre d'appel juge que l'élément familial aurait dû être pris en considération en tant que circonstance atténuante. Ce moyen d'appel est donc partiellement accueilli. Néanmoins, vu le nombre et la gravité des infractions perpétrées, la Chambre d'appel juge que la peine infligée par la Chambre de première instance est appropriée et confirme la sentence rendue sur ce point. S'agissant de l'accusé Kovacs, Laplan avance que la Chambre de première instance aurait dû prendre en compte son absence d'intention de nuire à des musulmans et son ignorance du fait que ces actes s'inscrivaient dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique. Avant de fixer la peine, la Chambre de première instance les avait déjà acceptés comme étant prouvés au-delà de tout doute raisonnable et avait conclu à la culpabilité de l'accusé. L'accusé ne peut donc soulever à nouveau cette question dans le cadre de l'appel interjeté contre la sentence. En conséquence, ce moyen d'appel est rejeté. Quant à la deuxième circonstance atténuante invoquée par Laplan, la Chambre d'appel note simplement que les 4 femmes que Laplan a retenues dans son appartement contre leur gré et maltraitées étaient des musulmanes et rejette ce moyen non motivé. Enfin, Laplan invoque sa relation avec FWS 87 et la protection dont elle et AS ont bénéficié de sa part. La Chambre d'appel partage l'opinion de la Chambre de première instance selon laquelle il n'y avait pas d'amour entre Laplan et FWS 87, mais je cite, de la part de ce dernier, un opportunisme cruel, des sévices permanents et un rapport de domination à l'égard d'une jeune fille qui n'avait que 15 ans à l'époque des faits, et la conclusion selon laquelle Laplan a largement contribué au viol de AS par Yagos Kostic. Ce moyen est donc rejeté. Enfin, s'agissant de Vukovic, Laplan soutient qu'il a aidé de nombreuses familles musulmanes, que ses actes n'ont pas entraîné de conséquences graves et qu'il n'y a pas eu emploi de la force ou de la contrainte. Enfin, Laplan fait valoir à cette même fin qu'il est marié et qu'il a 2 enfants. La Chambre d'appel juge que l'aide que Laplan a apportée à d'autres musulmans pendant le conflit ne change rien au fait qu'il a commis des crimes graves envers FWS 50, que ces actes ont eu des conséquences graves et que, comme l'indique correctement le jugement, le viol a été précédé de l'usage de la force ou de la contrainte. Ces moyens sont donc rejetés. Quant à la situation de Laplan, elle aurait certes dû être considérée comme circonstance atténuante, mais bien qu'accueillant ce moyen d'appel, la Chambre d'appel confirme la durée d'emprisonnement fixée par la Chambre de première instance. Enfin, le dernier moyen, s'agissant du décompte de la durée de la détention préventive, la Chambre de première instance a bel et bien pris une disposition, en déclarant de vive voix le 22 février 2001, le jour du rendu de leur décision, de nos collègues, que le temps passé en détention préventive serait déduit des peines des 3 condamnés. Si les appelants avaient le moindre doute à ce sujet, ils auraient pu, par l'intermédiaire de leur conseil, s'adresser immédiatement à la Chambre de première instance afin qu'elle apporte des éclaircissements. C'est dans ce cadre qu'il convenait de poser la question. Ces moyens d'appel sont rejetés sous réserve que le dernier paragraphe du jugement soit lu en conjonction avec le texte lu en audience par la Chambre le 22 février 2001. La durée de détention préventive à déduire de la peine des appelants sera donc calculée à compter du jour où ceux-ci se sont livrés au tribunal ou ont été placés sous sa garde. Après l'exposé de ce résumé, je demanderai aux accusés de bien vouloir se lever. Afin qu'il leur soit porté connaissance du dispositif final de l'arrêt. D'abord, les appels interjetés par Dragoljub Kunaratch contre ses déclarations de culpabilité et sa peine. D'abord, les déclarations de culpabilité. La Chambre d'appel rejette l'appel formé par Dragoljub Kunaratch contre ses déclarations de culpabilité
confirme par conséquent les déclarations de culpabilité prononcées par la Chambre de première instance à l'encontre de Dragoljub Kunarac sous les chefs 1 à 4, 9 à 12 et 18 à 20 de l'acte d'accusation IT-96-23. Sur la peine, la Chambre d'appel rejette l'appel formé par Dragoljub Kunarac contre sa peine. Modifie le dispositif du jugement de sorte qu'il soit conforme au texte lu en audience par la Chambre de première instance selon lequel le temps passé en détention préventive est à déduire de la durée totale de la peine et par conséquent il convient de déduire de la peine de Dragoljub Kunarac la durée qu'il a passée en détention préventive depuis le jour où il s'est livré au tribunal, soit le 4 mars 1998, et vu le nombre et la gravité des infractions commises, conclut que la peine prononcée par la Chambre de première instance est justifiée. Par conséquent, la Chambre d'appel confirme la peine de 28 années d'emprisonnement prononcée par la Chambre de première instance. S'agissant des appels interjetés par Radomir Kovac contre ses déclarations de culpabilité et sa peine, sur les déclarations de culpabilité, la Chambre d'appel rejette l'appel formé par Radomir Kovac contre ses déclarations de culpabilité. Confirme par conséquent les déclarations de culpabilité prononcées par la Chambre de première instance à l'encontre de Radomir Kovac sous les chefs 22 à 25 de l'acte d'accusation IT-96-23. Sur la peine, la Chambre d'appel rejette l'appel formé par Radomir Kovac contre sa peine. Modifie le dispositif du jugement de sorte qu'il soit conforme au texte lu par la Chambre de première instance selon lequel le temps passé en détention préventive est à déduire de la durée totale de la peine, et par conséquent, il convient de déduire de la peine de Radomir Kovac la durée qu'il a passée en détention préventive depuis le jour de son arrestation, soit le 2 août 1999, et, vu le nombre et la gravité des infractions commises, conclut que la peine imposée par la Chambre de première instance est justifiée. Par conséquent, la Chambre d'appel confirme la peine de 20 années d'emprisonnement prononcée par la Chambre de première instance. Sur les appels interjetés par Zoran Vukovic contre ses déclarations de culpabilité et sa peine. Sur les déclarations de culpabilité, la Chambre d'appel rejette l'appel formé par Zoran Vukovic contre ses déclarations de culpabilité. Confirme par conséquent les déclarations de culpabilité prononcées par la Chambre de première instance à l'encontre de Zoran Vukovic sous les chefs 33 à 36 de l'acte d'accusation IT-96-23-1. Sur la peine, la Chambre d'appel rejette l'appel formé par Zoran Vukovic contre sa peine. Modifie le dispositif du jugement de sorte qu'il soit conforme au texte lu par la Chambre de première instance selon lequel le temps passé en détention préventive est à déduire de la durée totale de la peine et par conséquent, il convient de déduire de la peine de Zoran Vukovic la durée qu'il a passée en détention préventive depuis le jour de son arrestation, soit le 23 décembre 1999. Et vu le nombre et la gravité des infractions commises, conclut que la peine imposée par la Chambre de première instance est justifiée. Par conséquent, la Chambre d'appel confirme la peine de 12 années d'emprisonnement pour la Chambre de première instance. En exécution et concernant les trois accusés, en application des articles 103C et 107 du règlement, la Chambre d'appel ordonne le maintien en détention de Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac, Zoran Vukovic, sous la garde du tribunal international, dans l'attente de la finalisation des modalités de leur transfert vers le ou les États où ils purgeront leurs peines respectives. Cet arrêt est rendu ce jour, 12 juin 2002, à La Haye, aux Pays-Bas, siège du tribunal pénal international. Il est rendu en anglais et en français, la version en français faisant foi, les deux versions étant à disposition du public aujourd'hui même. Il a été rendu sous la signature du juge Mohamed Chahaboudine, du juge Wolfgang Schönburg, du juge Mehmet Güney et du juge Théodore Meron, ainsi que du juge Claude Jorda, président de la Chambre d'appel. Ainsi se clôt cette session. L'audience est levée. Oh, guys, will you believe me?